Anaïs. Et debout, on est tous. Merci. Alors, c'est la première fois qu'on m'appelle Olivier Baroux. Je comprends très bien. Pas Baroux. On ne dit pas Roux. C'est non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Je t'en repax. Ça marche Astérix ou pas? Ah, mais ça va. C'est pour ça. Eh oui, bien sûr. Oh, comment t'enfonces le cul. Oh, mais non. Bonsoir, mesdames et messieurs. Heureux de vous présenter mon mari, Olivier Baroux. Ça, c'est super. Ça, c'est très compliqué. Est-ce que vous allez bien? Dans 5 minutes, il va y avoir des crocodiles et de l'eau. Alors, nous sommes évidemment pas venus tout seuls, puisque, vous savez, Pamela Rose, c'est avant tout une équipe. Putain, c'est des Ray-Ban, ça vaut cher, en plus, je suis con. C'est une équipe. Oh, mon Dieu. C'est triste, c'est triste. C'est triste. Je sais pas comment le mettre, en fait. Ben, fais comme si... Je fais comme si j'étais chez moi. Oh, c'est joli, dis donc. Ah, mais c'est incroyable, cette salle. Elle est toute en pente, comme ouais, ça. Ouais. On dirait, t'as vu, il y a des chaises. On dirait un amphithéâtre, un peu. Ouais. Bien. Alors, sortez vos cahiers. Dictez. Oh là là, là. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? T'embêter. Mais non, vas-y, vas-y. Non, merci Fred pour l'accueil et pour le cocktail de bienvenue que tu nous as offert. Je sais pas si tu as bien fait nous offrir du martini. Ah, comment ça pas attention, pas marrant. Bon, regarde. Nous aimerions appeler. Et là, il joue pas. Non, si tu rigoles. Là, César quand même. Ah merde, oh putain, oui. Oui, merci. Voilà. Et oui, c'est bien de temps en temps de le reconnaître. Je le reconnais. J'ai mis du temps. Alors, nous aimerions, si vous permettez, puisque quand même c'est une étape importante pour nous, enfin surtout pour moi à Marseille, pour vous présenter Pamela Rose, pour accueillir une partie de l'équipe du film qui est là ce soir. Nous aimerions commencer par celui qui est depuis des années notre ami, un peu notre confident. Oui, c'est un peu notre petite copine le soir quand il n'y a personne aussi. Voilà. Il est dans Pamela Rose, inattendu, vous le verrez, on n'imagine pas à cette place-là, et pourtant il est encore avec nous. Voici Guy Lepiz, mesdames et messieurs. Regardez Guy Lepiz. Hey Lepiz. Guy de la Belgique aussi. Jesus good. Jesus. Oui. Allez, eh oui. Ah là, oh merde, oh merde. Oui, c'est pas grave. Bonsoir, merci. Oui, c'est pas grave. Alors, je me suis affiné, hein. Façon fromage. Hein, putain, c'est chiche. Oui, Guy, tu voulais dire un truc? T'attends. Non, c'est très bien, j'ai pas besoin de micro, je porte. Alors, il a pas tellement envie de venir sur scène parce que il a mis une chemise en jean et il se dit qu'à tout moment ça peut éclater parce qu'il a un peu de ventre, ça se voit un peu. Et pourtant, il est dans le film, mesdames et messieurs. Veuillez accueillir Patrick Bosseau. On a mis la chemise. Oh la classe. La classe. Oui, Patrick Bosseau. Elle est très bien ta chemise, Patrick. Elle est très bien ta chemise. Tu voulais pas venir, hein? Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Tu voulais pas venir, hein? T'aurais pas dû me dire que tu voulais pas venir. Voilà, Patrick, c'est presque par amitié qu'il est dans le film, parce qu'il est là une seconde, mais alors, quelle seconde? Non, il est plus, non, il y a une belle scène. Que, une belle scène. Quand vous verrez Patrick dire... Bon, je dis rien. Voilà, Patrick est avec nous. Merci, bonsoir Patrick. Ça va? Très bien. Alors, dans le film, il y a, avec Olivier, on a fait une espèce de comment dirais-je, un pari, oui. Un pari où on s'est dit on mettrait toute notre famille dans le film. Voilà. Vous savez qu'à Marseille, j'ai quand même quelques membres de ma famille, dont le président-directeur général du Perroquet Bleu, Reda Merad. Il est là ce soir. Viens, Reda. On va bien. Il est dans le film. Eh oui. Alors pour le coup, il est dans le film, mais alors... Alors bon, il est dans le film, mais alors, il est dans, au début, il était... c'est assez réduit. Voilà, on va entendre Reda. On voit une seconde. Oui, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, attends. Oui. Une seconde parce qu'il était payé en plus. Il lui ressemble. Te plains pas, merde. Alors, au cas où, voilà,
Petite soirée entre amis, petite détente, loisir, plaisir, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Le perroquet bleu est content de vous voir. Voilà. Je vous le dis, hein. On sait jamais. Il vient en plus d'acheter une piscine, donc je vous dis pas comment ça y a coûté. Donc ça serait bien de venir un peu comme... Non, mais il faut le dire, consommer. Alors, tous les mérades sont dans le film, mais tous les mérades ne sont pas dans la salle. Mais il y a quand même quelques mérades encore. Donc je vous prie d'accueillir celle qui est là peut-être encore moins longtemps que mon frère. C'est ma femme, Emmanuelle Cosso-Mérade. Elle est dans le film aussi. Allez, Emmanuelle. Ah oui, je sais. Non, quand même, vous voyez, le piston dans le cinéma, c'est des conneries. Ah oui. C'est des conneries, le piston, tout ça, la famille, voilà, les amis, c'est des conneries. Emmanuel, qui, avec l'épouse d'Olivier, mais quand on ira avec Olivier en Normandie, on fera la même chose, ouais. Mais en Normandie. En Normandie, ouais. Avec Olivier. Voilà, allez, ma femme n'est pas là ce soir. Emmanuel. Emmanuel, sous vos applaudissements. Voilà, Emmanuel. Qui, je tiens à signaler, est né à Mazargues. Et qui m'a amené à Marseille. Voilà, voilà, on peut quand même. Ah oui. Eh oui. Sinon, ni Reda, ni. Bah, ma sœur, voilà. Voilà ma sœur maintenant, Mina, qui est dans le film aussi. Viens, Mina. Allez, va. Hein? Non, bien sûr que non. Voilà, Mina Mérade. Alors, elle dirige une société de tourisme, d'événementiel qui s'appelle Orange Bleu. Non, pas du tout. Non, c'est comment? Chez Maman. Non, l'agence Maman. Maman l'agence. Oh, je sais plus, moi, putain. Elle vend sa voiture. Maman l'agence, sur le Vieux-Port. Organisation de séminaires, de voyages, de... C'est quoi, Mina? Tu fais un peu tout, voilà. Et elle est aussi comédienne. Et regardez, vous la verrez dans le film ce soir. Mais vous allez voir. Oh, putain. Non, non, là, ouais, Mina a un rôle. Faut pas le dire. On peut pas dire. Est-ce qu'il y a tous les mérades? Alors, il manque Karim qui n'est pas là. Karim, mon grand frère, n'est pas là parce que lui, il est resté dans la région parisienne. Il manque ton fils Khalil. Mon fils, il dort. Voilà. Donc, il n'y a pas. Ouais, alors, le mien est à Biarritz. Voilà. Là, ma femme est à Paris. Voilà, ta fille. Ma fille est à Paris. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais ils sont dans le film. On mettait tous les barreaux, tous les mérades dans nos films maintenant. Oui, c'est vrai. C'est là? Oui, mais il joue pas dans le film. Ah non, il n'y a aucune raison d'être là. T'es là, Alex? Oh, Alex, comment ça va? Salut, Alex. Ah, bah voilà. Voilà. En même temps, faire jouer sa famille, c'est un avantage. Ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc, voilà, tout l'argent qu'on n'a pas donné aux acteurs qu'on aura engagé, on l'a mis ailleurs. C'est un peu un film de vacances que vous allez voir.